Et voilà, bonjour à tous les amis pour cette nouvelle vidéo de Let's Play d'hiver. Excusez-moi, j'allume juste un peu la lumière parce que comme vous le voyez avec le Shoes UR, c'est que je joue maintenant dorénavant avec une manette Xbox, Xbox 360 compatible PC. C'est elle qui a la prise USB. Ce que je trouve que c'est facile, excusez-moi, j'ai baissé le son, mais le son du jeu me crache un peu aux oreilles. Pour vous, ça change rien, parce que je réglerai ça au montage. Je regarde l'heure aussi, j'ai oublié, je mets pas de combo, il est 6h20, donc on va se lancer dedans. Voilà. Donc, je vais faire avec vous, c'est que je vais dilater ma sauvegarde devant vous, pour être tranquille. Dilate save. Alors, on va sélectionner. Voilà, confirme. Voilà, on repart. Directement, je pensais pas, mais au moins vous voyez le début du jeu. Hein. Ça va nous expliquer comment jouer, même si je connais un petit peu. Comme je me suis déjà entraîné avec ma manette PS3 PC, donc je sais comment sauter, je sais comment casser, vous inquiétez pas, hop. Donc A pour le jump. Je commence déjà à casser parce que je sais qu'on peut récupérer du pognon, donc c'est toujours utile. Tiens. Voilà, on saute. Ah, là il y a encore. Pour sauter plus haut aussi, ils appuyaient sur... plus longtemps sur le A. Voilà. Sinon, si je fais ce jeu-là, c'est comme vous savez, je suis fan de RPG, c'est un peu plus action que Cube World. Bon, même si Cube World, c'est quand même assez costaud aussi, au début. J'ai pas encore essayé la manette 360, mais le site cubeworld.fr m'a indiqué que vous pouvez y jouer. Donc, X pour attaquer, on va attaquer le grand méchant. Ah putain, il m'a vu boire sur un vin, je sais pas pourquoi je me fais chier. Je vais se faire fracasser. On va casser la petite jarre. Voilà, lui, il est mort. Hop. Musique plutôt sympathique aussi. On récupère plein de pognon pour commencer. C'est toujours important. Hop. Et là, il dit, ça va toujours en appuyer sur la flèche du bas, mais ça marche aussi avec l'analogique. C'est vrai qu'elle est pas trop si mal que ça. J'ai encore un peu de mal à y mettre les paluches, mais on commence à s'y faire. Le tableau, il est pas méchant. Hop. Alors, ça c'est dit en sautant en l'air, appuyer sur bas et X pour activer ces machins-là. Oh, merde. Pas appuyé. Ah, merde. C'est vrai qu'avec l'analogique, on a une sensibilité un peu meilleure pour les sauts. Hop, voilà, on arrive. Hop, on rentre. Et là, on arrive à la fin du petit tutoriel. Attendez. Je vais faire plusieurs parties quand même. Presse X pour attaque. Tiens, oh, pouf, un flash. Voilà. On va appuyer sur A. Mon premier personnage qui tape à 25. Lui, on ne choisit pas. Hop. C'est d'avancer tout tranquillement sans se faire trop dégommer, ça serait pas mal. Voilà. La bouffe, ouais. C'est pas maintenant qu'il faut me la donner, j'ai rien dépensé encore. Oh, wave you map anytime. Oui, mais je sais pas ce que c'est cette touche. Ah, c'est back. Putain, je connais pas encore trop les touches. Ça c'est du texte et les journaux à trouver dans le jeu. Alors je suis sur la version achetée, je suis pas sur la démo. Je sais plus si vous avez pas déjà fait une petite vidéo sur la démo. Oh, je sais plus. En tout cas, c'est le vrai départ de Let's Play, de toute façon là-dessus. Donc j'ai déjà joué pas mal. Bon, le texte, je le lis même pas. Donc il parle que c'est le fils, tout ça, du roi que j'ai tué qui veut se venger, je crois.
continuer. Oula, bah putain, il y a déjà du monde. Oula, 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 oula. Le moins des gens. On va se faire dégommer trop vite quand même. Déjà plus grand chose. Putain, c'est qu'au départ, on se fait dégommer assez vite. Bon, c'est moi qui n'étais pas doué, très doué non plus. Hein. Oh, un jukebox. Ouais. Je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Voilà, hop. Hop, on va écouter. Une petite musique. Hop. Par là. Oh là, il y a du... Donc on va prendre du saut, on va regarder un peu ce qui se passe par là. Oh la vache. Il n'y a pas grand chose. Non, c'est pour un tableau méchant. Voilà. Tu peux pas m'attaquer. T'es fait un petit peu avoir le pépère. Tiens. Ah bah de la bouffe pour récupérer de la vie. Oula. Ah merde. Ah bah voilà déjà. Première mort. Ça commence bien. Bon, continuez, de toute façon il est quelle heure là? J'ai encore le temps de vous faire un petit une autre aventure. Allez, on va regarder un peu ce qu'on peut avoir. La classe Knight chez Chevalier, héros standard. Vraiment. Hypergonadisme. Hypermaroïde, attaque, knock ennemi. Je crois que les attaques qui assomment les ennemis. Launch, orb, pulse anywhere. Ouais. Ou walking tank. Vous vous souvenez? En sinistre. Ouais, pardon. Bon, on va prendre celui-là, tiens, allez hop. Il fait 730-760. Ouais, il a vécu 30 ans, le pauvre. Là, je peux débloquer le Smitey. Voilà, pouf. Smitey Unlock, c'est qui permet d'acheter des... Vous achetez des, comment ça s'appelle, des armes. Des protections et tout, bah, je vous montrerai après. Donc là, 60 pour la vie. 50, bah, 70, et là c'est. Bah, je suis obligé de passer parce que je peux plus rien prendre avec l'argent que j'ai pour le moment. Donc, on va faire le B pour revenir. Bah, nous avons le forgeron. Voilà, bienvenue, héros. Je peux maintenant t'aider. Bah, mes plus grands talents de forgeron de tout le monde, de tout le pays. Un jour, les monstres ont attaqué le château et bah, ils ont pris tous ses plans, quoi. Voilà. Ah, mais il dit qu'avec ses plans, ben, bah, il peut nous seulement fabriquer bah, du stuff, quoi. Voilà. On lui demande de récupérer ses plans et il pourra construire des choses fantastiques. Toujours. Un certain prix aussi. Ah. Comme là, nous avons pour avoir plus d'attaque, mais j'ai pas encore beaucoup de sous. Là, c'est un casque qui coûte combien? 150. Là, j'ai pas de blueprint. Là, j'ai les. Ça, c'est les paluches, les pieds et les mains, je crois. Ah, et en même temps, bah, comme vous le voyez, j'ai pas dit, c'est que. Bon, par rapport à la vie, mana, damage. Sinon, bah, à certains points, on aura un certain point, un poids maximum à porter sur nous. Comme là, bah, j'ai 0 sur 50. Et dès que je prends un truc, genre, ça rajoute 10, donc je serai 10 sur 50. Voilà. Bon, c'est tout con, hein, voilà. Là, j'ai plus rien, donc on va aller.
Mais je t'attrape à combien avec lui, tiens, en fait. 18, j'ai perdu un peu par rapport au premier héros. Donc bah là, malheureusement, je perds tous mes sous parce que la mort, elle veut le pognon. Super. Ouh, j'ai chaud. Oh, oh, oh. Bon, on est reparti pour un tas. Tiens, vas-y. Ah, c'est surtout là, cette truc-là de se faire pas mal de pognon. Bon, lui, c'est toujours le même texte. Si je fais ça. Maintenant, c'est back. Voir le plan. Oula, bah, il y a du mob. Hein. Ah bah putain, t'es pas assez rapide. C'est chaud là. Malheureusement, lui, je vais avoir du mal à le taper parce qu'avec les pièges, faut être là pour pas que... Tu vois, lui, c'est dégommé, je ne sais pas comment, mais... Merde. Ah! Voilà, j'avais pas raté ça quand même, du flouze. Qu'est-ce qui m'attend par là-bas? Oula, on verra peut-être plus tard. Pour l'instant, on va aller voir la suite par ici. Ah putain! Un corps! Ouais, du pognon! Voilà. Faire gaffe à ces petits trucs qui balancent là. Ils sont pas trop chiants, c'est qu'ils bougent pas. Voilà! Hop! Voilà. Y aurait-il un passage? Ah non, c'est parce que j'ai ouvert un coffre. Ce cadenas défait. Allez! Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par là? Là, c'est chaud là, il part là. Ça, c'est le boss. On va peut-être pas y aller maintenant parce que j'ai compris, il est pas tout gentil. Oh! Stat Fund, Magic Damage Increase. Là, c'est pour aller, si on veut ou pas, se téléporter à l'entrée. Mais j'ai pas envie pour le moment, j'ai envie de dégommer un peu ce qui se passe. Parce que, hein, hop, faire un peu de vie. Oh là! En tout cas, il y a du pognon. Ah merde! Ah! Ah merde! Putain, j'ai fait le con. Désolé. Je vais essayer de plutôt pendre, bah je pense pas encore à bien appuyer sur bas là. Pouh, you. Qui c'est qu'on va prendre? Très coprolalia. Ouais. Mose vaillant héros, bien sûr. Bon, bon, je peux rejoindre la barbare. Alors, on va prendre le barbare, confirme. Là, ça coûte 110. On va prendre. Voilà. Voilà, on prend machin. Hop, class upgrade. Yes. Bon, allez, on va aller acheter un peu de. On va aller commercer un peu avec lui. Je dois pouvoir acheter des trucs, genre. Voilà, je l'ai. Il me reste plus grand chose maintenant déjà. Et puis pas d'autres choses, bon j'ai pas pensé, bon c'est pas grave. On ira au fur et à mesure. On va se faire un Warrior. Bah je tape à combien maintenant là-dessus? Ah bah je commence à taper un peu plus fort. On va essayer de faire. Ouah putain. Celui-là maintenant. Et après bah. On va pouvoir se quitter. Oh, oh, oh. Voilà, c'est parti. Du pognon, là de toute façon ça me sert à rien, j'ai... Ça je pense que c'est la porte du boss final, ceux qui devront téléporter à chaque boss, parce que là nous avons bah, les 4, comme vous voyez, le rond, la flamme, la tête de mort et je ne sais pas trop quoi. Donc, nous avons le château, après la forêt, le donjon, la tour, donc à faire. Bon, bah. On va avancer. Ouais, putain, j'ai eu un
coup celui-là. Mais non, tu peux pas me donner la bouffe pendant que je suis là. J'essaie de l'avoir avant que l'autre vienne, parce qu'il y a ça à croire des gamins aussi. Mais je perds pas de vie. Ça c'est toujours quand on a plus besoin de vie qu'il me file des trucs. Il est con ce machin. Hop là. Voilà. Je recule pour pouvoir l'attaquer. Ah! Putain. Voilà. Putain, c'est du skill, mon pote. Ah putain, parce que là c'est pas tant de skill. Il manque un peu de skill. Oui, ben je sais qu'il faut que j'ai tué tous les ennemis, mais alors faut me laisser le temps de les voir. Je trouve où ils sont, ça. Ah. Ah, il a gueulé, il était pas content. Voilà. Oh. Bien là, espèce de tableau. Voilà, j'ai mon super coffre. Avec une... Trouver une rune. Bounty Rune Bracer. Ça, c'est pour plus tard. Ça va, je me rappelle bien avec... comment elle s'appelle? Madame la sorcière. On va regarder un petit peu le plan. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Allez, oh, voilà. J'ai dit que je partais voir le plan. Là, je peux monter encore. Ah, il pète, je crois, cet abruti. J'ai pas remarqué. Il pète ce con. Putain, j'ai du pognon encore. Faut que j'ai un... Ce con, il pète. Oula. Hein? Ah putain! Désolé. Oui, je sais qu'il est belle. Ah, j'ai un blueprint. Knight Bracer. Je sais pas ce que c'est. Excusez-moi, mais ça me fait rigoler. Alors, faut que j'aille où? J'ai le boss, je peux encore monter. Désolé. Oh là là. Oh là là. Ah, je m'en excuse. Oh là, oh là. Ah putain.
passe. Hop, on se cache. On va aller par là. Ah, un troisième. Ah non, c'est le téléporteur du boss. Bon, je vais pas le prendre pour l'instant. Je vais continuer à me balader. Je suis encore en vie, donc même si la vidéo. Je vais peut-être éviter ce coin là parce que je suis peut-être pas encore assez costaud là. Je vois ce qui me retire le pépère. Ça fait mal au troufion. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Point que j'ai pas fait. C'est visiter des endroits qu'on n'a pas fait encore. Je me suis fait un max de pognon sur cette partie là, plutôt intéressant. Hop là, yep. Oh bah, ils sont pas durs à avoir ceux-là. La table. Oh merde, bah, elle m'a pas protégé là. Je pensais qu'elle allait me protéger, mais non. Ah bah j'aurais tué du mob hein, quand même. Y'a pas à dire. Hein. Oh bah ouais. On a dégommé. Pour une première vidéo, c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience, donc... Bon, bah, je crois que ça va être bon, hein, les amis, maintenant. Donc, ça se fait une bonne petite vidéo. Donc, voilà. Bon, bah, je crois que je vais vous laisser là. Bah, j'espère que cette petite série aussi va vous plaire. J'essaierai d'en faire des sessions un peu plus longues pour en mettre peut-être en même temps que du Cube World, si ça vous dit. Donc, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, les amis. Allez, ciao, ciao.